Eh bien bonjour tout le monde, c'est Eugène, très content de vous retrouver pour ce troisième épisode de Metal Gear Rising. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, nickel comme d'habitude. Donc très content de vous retrouver une nouvelle fois pour ce jeu qui est superbe, autant au niveau du gameplay que des cinématiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 2? Pas grand chose. On doit se rendre à la raffinerie, hein, c'est notre principal objectif, pour aller essayer de choper là, le Ruskov, je sais plus du tout comment il s'appelle. Delzenev ou je crois un truc comme ça. Et puis pas plus d'infos, hein. On a tué un cyborg chien qui s'appelait je sais plus comment d'ailleurs, je crois qu'il s'appelait Wolf tout simplement. Et voilà, c'est tout, vraiment rien d'autre à signaler. Donc on va charger ça sans plus tarder. Et a priori il n'y a pas de cinématique, donc on va rentrer directement dans le gameplay il me semble. On va voir ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est parti mon kiki. On va aller voir un peu comment ça se présente. On va essayer de se la jouer infiltration, comme j'essaie de le faire depuis le début, même si ça marche pas toujours à chaque fois. Oh, je crois que je me suis fait choper. Alors, je sais pas si c'est lui qui avait fait un ou l'autre. Oh, c'est l'autre. Shit. Il va où là? Il va vers moi. Merde. C'est bon, j'ai réussi à me cacher. Il repart. Voilà, impeccable. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Ah, cette caisse-là, je crois que je l'avais jamais ouverte. Je vais plus voir ce qu'elle contient. Une simple grenade. Très bien. Oh putain, le gecko. C'est bon, là je pense que je peux le choper. Allez. Putain, il y a même un mec là. Alors non, je sais pas si je peux choper le gecko ici. On va tester. Ça a l'air d'être good. La foi, ça se passe vraiment super bien tout ça. Ah oui, merci Boris. Si j'ai les compliments de Boris, c'est qu'a priori je me débrouille pas mal. Il me semble que là-bas il y a des guignols aussi. Ils sont trois. On va essayer de les contourner. Là-bas il n'y a plus personne. En plus, bon, vous savez quoi? Je crois que je peux esquiver le combat. Alors on va le faire. Hein. On va le faire. Voilà. Ça roule ma poule. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Dirigez-vous vers le point indiqué. Très bien. Et là donc, petit combat. On va essayer de faire ça rapidement. Ça c'est pas des monstres très compliqués à battre, hein. C'est vraiment des petites merdes sans intérêt. Putain, merde, ils m'ont niqué mon truc là. Genre j'ai eu un B quoi. Bah alors. Dolceev and his team must be in here. Find him.
Hop. Avec cette vision, vous voyez qu'on peut voir les rayons laser. Enfin, du moins certains rayons laser. Genre ceux-là qui sont à la base invisibles. En activant la vision nocturne, en fait, on sait après du coup où ils sont, quoi. Tout simplement, j'ai envie de dire. Alors attendez. Vous voyez, par exemple, ici, là, c'est vraiment le piège de base. Tu montes les escaliers, tu te les manges. Alors qu'au final, il faut passer par la gauche. Là, c'est pareil. Faut faire attention. Je crois que je me suis fait repérer. Oh shit, putain, c'est pas vrai. C'est pas grave, on va régler ça à la façon Raiden, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bonne chose de faite. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral. The Cold Wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer. Even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. You're proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. A
I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Avec la petite touche de française, c'était vraiment sympa. Je sais pas si vous trouvez, mais je trouve qu'elle ressemble vachement à Fortune dans MGS2. Ça reste que mon avis, mais donnez-moi, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même un petit peu. Oh là là, ça commence mal, là ça commence mal. Morgan, ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Écoutez encore une fois cette bande son juste magnifique. Allez, viens là ma poule. Voilà, boum. Eh ben alors viens, ramène tes boobs. Non mais esquivez quoi. Oh mais putain ils me font chier ces petites boules là. Allez Raiden, te laisse pas faire. Défonce-moi ça là. Voilà, impeccable ça, impeccable. Elle est vraiment redoutable cette arme secondaire, pour les boss en tout cas. Je me demande si je peux les... Ah oui, je peux. Oh là là, elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Mais moi aussi je m'énerve ma poule. Voilà, c'est fini. Et là maintenant ça fait plaisir.
Putain, genre, je me tape que des B, quoi. C'est nimp. C'est nimp. Mistrum, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No, hold on! I am sorry. He was... too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Shoot him. The two won't go. Shoot him, Mister. You'll never. She's not talking to you, idiot. You! You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dosayev. Surrender. I did two points to get in. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money, to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! Blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Et voilà, fin du dossier R01. Assez facile, hein, comme vous avez pu le constater. Même sans l'épée, c'est vrai que j'ai réussi ce dossier assez facilement. Le boss était assez facile. Donc voilà, c'est plutôt bien passé. 64 000 de PC, on va attendre la fin du chapitre R02 pour commencer à booster un peu les différents équipements. Personne est cœur de Raiden ? Non, pas tout de suite, mais merci de le proposer. Ah, mais voilà, cinématique, on attaque le dossier R02 et on regarde ça donc tous les deux, enfin tous ensemble. Tous les deux, non, je ne suis pas en tête à tête avec un abonné. So you got some kind of disguise lined up, right? All set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Ese sombrero. ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Bon, je suis pas persuadé que son déguisement ait marché, hein, mais bon. All right, let's get started.
Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Allez, vas-y, je te couvre. Enfin, je te suis plutôt. Hop, je vais avoir besoin de cette arme-là. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Alors les amis, ces monstres là, ces putains de robots gorilles là. Attendez, je le tue et on en parle. C'est pas un boss hein, déjà, à première vue on pourrait le croire, mais c'en est pas un. Putain merde. J'ai fail en fait mon combo, c'est pas grave, on va l'enlever. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Merde. Voilà. Donc je vous le disais, ces espèces de gorilles là, c'est vraiment la peste. Dans ce jeu, c'est incroyable comment ils sont coriaces. Alors là ça va, encore une fois je le répète, on a eu des armes qui sont beaucoup plus efficaces que lorsqu'on fait ce passage là pour la première fois. Mais mon dieu, quand on n'a pas les armes améliorées tout ça, mais c'est un supplice. Ces monstres là, c'est un supplice. Genre, mais genre, voilà. Genre, vous voyez, là par exemple, je comprends pas. Je suis derrière lui. Le mec me voit quoi. C'est un peu le gros mystère ce jeu, des fois. Hein. Saloperie, va. Parce qu'en plus il vous sonne, tellement il tape fort, hop, on esquive, genre, ah c'est bon. On lui coupe les bras. Le problème c'est quand on lui coupe les bras, après il nous tape avec les pieds. Et on lui coupe les jambes, au moins comme ça on est plus emmerdé. Vous voyez, hein, vraiment coriace ces conneries. J'aime pas du tout ces petites bestioles parce qu'elles sont vraiment chiantes à tuer.
Voilà. Par contre, petite astuce, pas beaucoup de gens le savent, quand on finit cette scène de combat, on revient sur nos pas. Et là, il y a une espèce de tripode là qui va apparaître en mode doublé. Et si on les tue, on fait apparaître des PC de 5000. Et donc, on récupère au final 10 000 de PC. Ce qui est assez énorme quoi au niveau des au niveau de l'argent gagné. Donc voilà, pour ceux qui auraient fait le jeu et qui n'auraient pas trouvé cette petite astuce, je viens de vous l'expliquer. Qu'est-ce qui brille là-bas? Oh, ça va être une grenade, on s'en fout. Bon, est-ce que j'ai du mode énervement de disponible? Oh putain, j'en ai pas, dur. Alors attendez, parce que du coup, je vais peut-être utiliser cette petite épée. Mais oui, c'est un combat équitable, ne vous inquiétez pas. Impeccable. Allez, on va se faire plaisir maintenant. J'ai la barre remplie à fond. Il en reste encore. Je finirai peut-être l'épisode par une petite customisation d'armes quand même. Ce serait peut-être sympa de débloquer quelques améliorations pour cette arme là. Parce que telle que je l'ai là, elle reste encore un peu faiblarde, je trouve. Estás bien? What you say? We are Guyanese, from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. My name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Damn Sconter Research Lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them Sconter, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Oh, maybe live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother scone don't put me on a rash boat! They pack us all a big old dirty container, next thing we know, we're here. At that zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them scone wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran? Uh-huh. It's shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you! Ha! Me been strongest cyborg ever, warlock all them phantoms and black lords that I pass me! Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good.
We tried to warn the boy. I say, Ayudi's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of that technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Trouvez le moyen d'entrer dans le labo de recherche. C'est parti mon kiki, on y va de suite. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's... Alors, ici de mémoire, c'est un peu relou. Oh, it's for medical supplies. That could work actually. Mais a priori, c'est faisable. Sans chercher la bagarre. Parce qu'ils sont trop en plus, hein, les espèces de mongols là. On va attendre que celui-ci nous retourne le dos. S'il y a moyen d'esquiver le combat avec ces connards, je préfère l'esquiver. Parce que c'est vraiment relou. Hein. Dites-vous que là, ils sont trois. Moi, quand j'avais fait ce passage la première fois, je m'étais tapé les trois combats. Enfin, les trois dans le même combat, quoi. Et je vous avoue que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Putain, mais je suis derrière toi, enculé de merde! C'est pas possible! C'est pas possible, quoi, sérieux! Bon, bah c'est pas grave, on va se taper les deux. Mais de mémoire, il y a moyen de faire un truc sympa en prenant ces grenades. Alors attendez, qu'on les retrouve un petit peu là, les petites grenades. Écran magnétique, c'est celle-là. Avec ces grenades-là, je crois que c'était pas celle-là en fait. Bah si, c'est celle-là, comment ça se fait qu'elle a pas été lancée? Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça les paralyse un certain moment. Et ça nous permet après du coup de les enchaîner. Et de se faire enchaîner aussi. Ah genre, il se protège. Allez, 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 Raiden. Allez, l'autre, je vais le finir en mode énervement pour le fun. Voilà. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ça roule. Putain, le mode énervement, c'est vraiment un truc de dingue quand même. Alors là j'ai deux passages, je sais plus lequel j'avais emprunté, il me semble que j'avais emprunté celui-là moi. Alors je vais emprunter celui-là. Raiden, I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your soliton radar. Donc là, je sais plus ou moins où faut aller. Vous voyez qu'en fait quand j'utilise la vision, il y a une espèce de porte qui s'affiche. Donc faut aller là-bas en fait directement. Allez, allez ta mère là. Allez, mais putain, on va se faire spotted. Allez. Ah c'est bon. Est-ce qu'il y a des vilains monsieur ici? Ici il y a une caméra, deux caméras. Thank you.
this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first, you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Allez, c'est parti. Alors, ici, il y a moyen de la jouer aussi super infiltrée. Je vais essayer de la faire propre. Voilà, en voilà un. Ta mère, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Bon là du coup il va y avoir des vilains monsieur qui vont arriver. On va peut-être se mettre un petit mode énervement, ça peut être intéressant. Allez, viens là, toi. Je vais te montrer c'est qui le patron. Bon, pour le moment, c'est toi. Voilà. Bon, j'ai vraiment pas de chance, hein. Vous l'aurez remarqué. J'essaie vraiment de faire de mon mieux pour être infiltré. Mais les ennemis se retournent toujours au mauvais moment et tout, c'est vraiment vraiment pas de chance pour moi. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. Écoute, j'essaye Doc, hein, j'essaye, mais c'est pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un perfect, ça serait bien. Avec un petit bug d'affichage, c'était pas mal aussi ça. Je me suis fait toucher. Oh putain, je me suis pris une balle, fait chier. Bon bah tant pis, il n'y aura pas de perfect. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move.
Allez, c'est parti. On essaie de trouver les enfants. Jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Bon, pour le moment, je me file trop mieux en étant un tripode qu'en étant un ninja. Hein. On va pas se mentir. Bon alors là faut pas que je fasse, enfin, faut que je fasse attention quand même parce que j'ai pas le droit d'être là, d'être en haut, normalement je dois rester en bas. Donc on va attendre que lui descende. Eh oh, petit con va. Tiens pour la peine. Par contre, du coup, je sais plus comment on fait pour le... Ah oui, voilà. Something in one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through right away. And send us what you do, Hank. You've already commenced the outplay. The Seer's program. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's wired straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to sit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Made your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Yeah? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, yes. You'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we'll be with the souls of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Alors, on va juste aller à un certain endroit là. Et puis après, on terminera cet épisode.
vais essayer de booster un peu l'arme aussi avant de vous quitter. Et on pouvait pas passer par là, il me semble que si, hein, normalement. Ah bah non, on peut pas. J'y arrivais. Laisse-moi tranquille, putain, il y en a des millions quoi, c'est chiant. Voilà. On va les laisser en vie, les petits ennemis. Je pourrais très bien les tuer, mais au final, ça n'a. Ah, mais non, c'est même pas là que je dois aller en plus. C'est là. Voilà, donc nous, on va s'arrêter ici. George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Ok. Donc, petite session personnalisation de l'arme. Comme ça, vous allez voir un peu quoi il en ressort. C'est pas un truc de ouf, hein, mais bon. Au moins, vous verrez, quoi. Donc, on va aller dans arme principale. Amélioration. Et donc, voilà. Je vais acheter déjà celle-ci qui va améliorer la force. Ok. Ah, mais non, celle-là, je l'ai déjà acheté. Donc, il me faut, voilà, celle-là. Énergie. Une consommation possible. Mode katana, réduisant la quantité d'énergie utilisée. Ça, a priori, c'est pas important. On va encore acheter de la force. Niveau 4, niveau 5 aussi. Voilà. Et puis après, on va acheter ça. Ah, pas assez. On va peut-être acheter celui-là. Ah, non plus, pas assez. Ok, bon, bah nickel. Voilà, vous voyez, c'est assez simpliste, hein, mais bon. C'est important de vous le montrer. Quitter écran de personnalisation. Oui. Je vais sauvegarder et puis je vais vous dire au revoir, les amis. Hop. Courtney. Got anything on George? Not yet. I hope he's okay. Oh, this is my fault. I could have stayed until someone came to pick him up. Come on. Who knows what would have happened to the other kids in the meantime? Or even now, for that matter. You're right. They're gonna be in even more danger soon enough. And there's a chance George is still safe. Somewhere. Yeah, I'm sure he's fine. I'd better move. Attends, je rêve ou elle m'a pas proposé une sauvegarde là? Know anything about the gun? Not a... I see... Yeah. Docs, he should... All right. Yep. Ah oui, voilà, ok. Okay, save... Thank you very much. Don't let your guard down, okay? Voilà. Bon, et bien du coup, les amis, c'est la fin de cet épisode numéro 3 déjà. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, bah, je vous donne rendez-vous dans l'épisode pour l'épisode numéro 4. Et j'espère, voilà, que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de liker la petite vidéo aussi et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les amis, gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.